Felicitation. Herzlichen Glückwunsch. Felicitation. Felicitation. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Felicitation. Felicitation. Glückwunsch. Der Deutsch-Französische Bürgerfonds wird am 16. April ein Jahr alt. Erinnern Sie sich noch an die feierliche Unterzeichnung des Aachener Vertrags im Jahr 2019? Eines der Babys dieses Aachener Vertrags ist der Deutsch-Französische Bürgerfonds. C'est une marque majeure de notre engagement franco-allemand, de la célébration de cet engagement, parce que c'est quand nous nous engageons que nous faisons avancer les choses, que nous faisons avancer l'Europe. En quelques mois, trois mois plus exactement, les objectifs de l'année ont été atteints. Ça veut dire que ce fonds citoyen permet d'alimenter cette soif d'engagement, de culture, cette soif d'échange et de lien. Zusammenarbeit ist viel mehr als ein Regierungsvertrag. Es ist im Kern die Freundschaft der Deutschen und der Franzosen. Und deshalb ist dieser Fonds von einer besonderen Bedeutung. En ces temps troubles, je crois qu'il est très important de soutenir les projets citoyens franco-allemands pour fortifier les liens entre les citoyens qui constitueront le moteur de l'Europe de demain. Comme toute relation, celle franco-allemande ne doit jamais être prise pour acquise et au contraire doit être entretenue, notamment à travers des projets citoyens. Trotz Corona-Pandemie zeigt sich grenzüberschreitende Zusammenarbeit stark und zukunftsorientiert. Und gerade in so Krisenzeiten ist es gerade besonders wichtig, Freundschaft und Partnerschaft zu leben. S'engager dans le franco-allemand et développer des relations entre nos deux pays, c'est promouvoir l'ouverture et la tolérance. C'est aussi faire vivre l'idée européenne au quotidien et rendre l'Europe accessible à petite échelle à travers des rencontres et des échanges.